1er juin 1907, 17h. Nous sommes partis. Jonathan a voulu que nous nous attachions dès le départ. Il faut être prudent. Monsieur Borillon, le directeur du Daily Star, avait bien fait les choses. Il y avait beaucoup de monde sur le port. Maman n'est pas venue. Elle doit penser que je suis folle. C'est vrai que je suis folle. Les derniers bateaux ont fait demi-tour. Il n'y a plus sur la mer que Jonathan et moi. Et ce petit cahier sur lequel nous raconterons à tour de rôle nos aventures. Enfin, seul. Mai 1908. Demain, nous fêterons le premier anniversaire de notre départ. Un an déjà. Et tout va bien à bord. Une ombre pourtant. Depuis quelques semaines, Adélaïde a le sommeil un peu agité. J'espère que ce n'est pas grave. 15 avril 1912. Le temps s'est légèrement couvert. La nuit dernière, nous avons été témoins d'une bien triste chose. Thank you.
nous sommes arrivés sur les lieux du naufrage, tous ces pauvres gens avaient disparu dans l'eau glacée. Ce matin, le brouillard s'est dissipé et il fait de nouveau très beau. Les semaines, les mois passent sans qu'on s'en rende compte. Notre traversée est si tranquille. Il ne se passe jamais rien. Pourtant, j'ai l'impression que le temps a changé. L'autre jour, en vérifiant les vivres, j'ai constaté que la provision de sucre avait diminué. J'en ai parlé à Jonathan, qui a prétendu n'être au courant de rien. 18 mars 1918. 3 février 1920. Nous n'avons pas progressé beaucoup ces dernières semaines, car nous nous tournons le dos depuis notre dernière dispute. Je me demande si nous sommes encore dans les temps prévus au départ. Janvier 1923. Depuis que je lui ai parlé du sucre, Jonathan ne m'a plus adressé la parole. Je suis perplexe, car je ne sais pas s'il est fâché que je l'ai soupçonné ou s'il est vexé d'avoir été découvert. Décembre 1930. Nous nous sommes encore disputés, si bien qu'Adélaïde a fait chavirer le canot. Heureusement que j'étais là et que j'ai pu redresser la situation. Mais j'ai perdu ma clarinette. Elle dort maintenant dans son coin, si tranquille dans le mauvais temps. Si.
Je crois que nous arrivons déjà au bout de notre voyage. La Terre n'est pas loin. Nous la devinons. Hier, nous avons vu des dauphins. Oui, c'est la première fois. C'était magnifique. Finalement, notre voyage aurait été bien court. Oui, bien court.